Alors, bah, pour moi, ça paraît essentiel en fait d'avoir une valorisation vraiment complète des drèches, pas seulement des drèches de pommes, c'est vraiment quelque chose qui est très important en fait pour notre entreprise, mais au-delà du scope de Fairchair. Alors bah, nous, ça nous apporte en fait une. Donc la drèche de pomme stabilisée de Cogiter nous apporte en fait une solution intéressante pour avoir un substrat humide mais stable, plus stable que si on utilise par exemple une drèche de pomme juste humide. Dans le cadre d'élevage d'insectes, ça va nous aider en fait à apporter justement la portion humide de l'alimentation de nos vers et que ça soit plus stable et un petit peu plus protéiné. Donc c'est un intérêt en fait dans notre ingénierie de régime alimentaire des vers de farine. Je pense qu'elles vont, en fait, elles créent des chaînes de valeur. Elles en renforcent peut-être certaines, mais je dirais dans notre cas, en fait, ça crée même en fait des chaînes qui sont pas existantes avant. Et puis après, la répartition de la valeur, c'est un peu toute la question. Donc c'est là où je suis un peu curieuse de voir comment chaque acteur peut y trouver son compte en fait, entre les producteurs et les utilisateurs finaux. Comme nous, on est plutôt à la fin de la chaîne. Voilà. Quand il viendra la question de la valorisation, on va voir si on peut effectivement avoir un prix intéressant quand même et si ça peut rester dans nos procédés. Mmh. Mais je pense que c'est intéressant. C'est clairement important d'avoir justement ces boucles qui se ferment. Là, je pars un petit peu sur un autre sujet, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des projets complets en fait comme ça, où on voit que l'économie circulaire, c'est vraiment important dans le design du projet, et puis de créer ces boucles en fait qui n'existaient pas avant.